Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la série L'école des chats. Voici le premier tome. À l'intérieur de ce tome, il y a 3 titres. Voici le deuxième. À l'intérieur de celui-là, il n'y en a que 2. Alors je vous le dis, les illustrations sont, franchement, elles sont très belles. Moi, je les ai trouvées magnifiques. Au lieu de suivre les aventures d'humains, nous allons suivre des aventures de chats. Je vous précise quand même que ce n'est pas un monde rempli de chats, c'est notre monde à nous avec des humains et tous les autres animaux. Malheureusement pour nos héros, le jour d'Apophis approche. Ce jour-là, le dieu des ténèbres se réveille. S'il se réveille, il sera dans la grotte de cristal. S'il en sort, c'est la fin du monde. Nos 3 héros vont-ils réussir à le garder dans la grotte de cristal? Ça, je ne vais pas vous le dire. Vous allez le découvrir tout seul. Faut pas tout vous dire quand même. Ils vont vivre une aventure incroyable. Certains disent que l'auteur s'est un peu inspiré d'Harry Potter. Bah, un petit peu, parce qu'on retrouve l'école de magie, mais pour les chats. Donc, c'est un petit peu vrai, mais ça m'a pas dérangée parce que c'est quand même différent. C'est génial. À plus pour la prochaine vidéo.